est Kevin Bush, je suis directeur des opérations de la Corpic. Aujourd'hui, nous parlerons de non-paiement et plus particulièrement des ententes de paiement lors de cette crise sanitaire du COVID-19. Nous avons tous vu sur les médias sociaux l'invitation de certains groupes à la désobéissance civile en incitant les locataires de faire la grève des loyers ou d'autres demandant carrément l'annulation des loyers tant que la crise sanitaire ne sera pas réglée. Rien de tout ça aide à garder une saine relation entre propriétaires et locataires. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'entretenir une bonne relation avec vos locataires tout en leur rappelant leurs obligations. Légalement, le contrat entre vous et vos locataires, le bail, n'a pas changé. Cependant, nous vivons une situation où nous sommes confrontés à du non-paiement dans des proportions anormales, où il est souhaitable plus que jamais que les propriétaires et les locataires puissent s'entendre. Restons donc en mode solution. Il est probable que la majorité de vos locataires vous paieront comme à l'habitude. Ceux qui font du télétravail reçoivent leur salaire comme à l'habitude. Toute la fonction publique, les gens qui bénéficient d'assistance sociale sous toutes ses formes, les retraités et tous les autres n'ayant pas de soucis financiers reliés à la crise. Mais attention, même cette catégorie de locataires peut s'inquiéter et il faut prendre de leurs nouvelles. Bien communiquer avec vos locataires est plus important que jamais. Si vous faites face à une situation de non-paiement de loyer et que vous avez envoyé une lettre à cet effet ou que vous comptez le faire, il importe de parler à votre locataire pour s'enquérir de sa situation. Avant de lui parler de non-paiement, demandez-lui si ça va, s'il travaille, si sa santé va bien. Bref, prenez le temps d'établir une communication bienveillante. Lors de vos discussions avec vos locataires, vous vous rendrez compte qu'il y a trois types de locataires qu'il faut savoir distinguer. Les premiers, ceux qui ont leur emploi, mais qui ont des inquiétudes allant jusqu'au refus de payer le loyer. Les deuxièmes, ceux qui ont perdu leur emploi et qui ont besoin un peu de temps afin d'obtenir de l'aide des gouvernements. Et les derniers, ceux qui sont de mauvaise foi et veulent malheureusement profiter de cette crise. Parlons d'abord du premier cas, ceux qui ont leur emploi, mais qui sont inquiets et ne veulent pas payer. En termes factuels, ces gens ont les moyens financiers, mais éprouvent un sentiment de peur face à la situation et croient que c'est préférable de ne pas payer le loyer et de se garder de l'argent au cas où. C'est la catégorie qui demande aux propriétaires le plus de doigté, de pédagogie, pour ne pas dire de psychologie, car dans les faits, ces personnes ont les moyens de payer. Mais il nous faut être rassurant et ne pas hésiter à discuter de leur travail, du secteur où ils œuvrent. À partir des informations obtenues, il s'agit de rassurer la personne et de lui faire part qu'il est normal d'être un peu inquiet, mais que les choses vont bien aller et que pour bien faire en ce sens, la meilleure chose à faire est de payer son loyer afin de ne pas avoir de dettes sur les épaules. Si ce même locataire ne veut toujours pas payer, vous pouvez toujours tenter de lui faire part qu'actuellement, les gens qui le peuvent doivent contribuer au maintien économique, car si lui ne paye pas, vous ne pourrez pas payer l'hypothèque, ainsi de suite. Les choses vont empirer et se répercuter autour de nous. Suite à cette discussion, le locataire qui ne veut toujours pas payer, selon l'historique de relation que vous avez avec lui, vous pouvez alors lui proposer une entente de paiement, mais idéalement, celle-ci devrait être de payer le maximum maintenant et la balance d'ici 2 semaines. Pour la deuxième catégorie, celle des gens qui ont perdu leur emploi, nous vous suggérons qu'à la suite d'une discussion avec eux, de prendre une approche de partenaire. Ce que l'on veut dire ici, c'est de regarder avec votre locataire s'il y a fait des démarches pour obtenir de l'aide gouvernementale et quand compte-t-il toucher l'aide en question. Si votre locataire semble déphasé face à la situation, n'hésitez pas à lui offrir de l'aide pour le diriger vers un programme d'aide, le but étant qu'il touche ce à quoi il a droit afin de vous payer le loyer. Une fois rassuré sur le fait qu'il obtiendra bientôt les fonds nécessaires, demandez-lui ce qu'il peut verser maintenant et ensuite convenez d'une date pour obtenir la balance du paiement en prenant une entente de paiement. Tout est possible en ce moment. La flexibilité est beaucoup plus forte en ce moment que normalement. Donc, un exemple de payer dans 2 semaines. Le paiement du mois d'avril et les mois de mai en même temps, le 1er mai. Ce sont des bons locataires qu'on ne veut pas voir partir. L'important est de mettre l'entente par écrit et d'être précis. En ces temps de COVID-19, il est tentant de dire que je lui ai parlé par téléphone et ça va aller. Non. Procédez avec rigueur par écrit. Évitez également les ententes floues comme le locataire s'engage à payer son loyer lorsque la crise sera terminée, ou même le locataire paiera son loyer le 15 de chaque mois d'ici la fin de la crise. C'est trop flou.
Soyez précis dans les mois et faites une entente chaque mois s'il faut. La Corpic a mis à votre disposition une série de modèles de lettres précisément pour la situation du non-paiement et le COVID-19, incluant un modèle de lettres d'entente de paiement. Tous ces modèles se retrouvent sur lecorpic.com, de plus qu'une section questions-réponses, ainsi que des articles et des communiqués de presse. On recommande que l'entente de paiement comprenne toujours un montant à verser immédiatement. Dans la très grande majorité des cas, le locataire acceptera et vous remerciera de votre geste et cette situation sera bénéfique sur le plan relationnel. N'oubliez pas cependant que vous devez toujours inclure dans cette entente que le non-respect des échéances prévues vous donne le droit de recourir à une procédure devant la régie. Pour le troisième cas, les gens de mauvaise foi qui veulent en profiter ou qui refusent de s'entendre avec vous d'aucune façon, une communication par écrit est importante. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le courrier recommandé pour communiquer au sujet du non-paiement avec vos locataires. Il est vrai que la régie du logement n'entend pas les causes de non-paiement pour l'instant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous pouvez quand même introduire une cause en non-paiement, si nécessaire, et vous serez entendu en ordre chronologique lorsque la régie reprendra ses activités. À ce moment-là, la notification de la demande sera nécessaire et l'utilisation de pronotifs peut être une solution. Ceci entraînera tout de même un mauvais dossier pour le locataire en question. Tentez de passer le message au locataire qu'il y aura un après-COVID-19 et l'accumulation de plusieurs mois de loyers impayés et un mauvais dossier à la régie du logement n'est pas souhaitable pour lui. Sachez que ceci n'est pas le but en général, mais on parle ici de locataires intransigeants qui refusent toute entente avec vous. Alors, ceci complète nos explications sur le non-paiement selon le type de situation que vous pourriez rencontrer en cette période atypique. Sachez que la Corpic est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci pour votre écoute. Nous sommes au service des propriétaires depuis plus de 40 ans et nous sommes la référence en immobilier locatif. Être membre de la Corpic, c'est faire partie d'une communauté de 25 000 propriétaires passionnés d'immobilier qui bénéficient de la force de la plus grande association de propriétaires au Canada. Au nom de toute l'équipe de la Corpic, je vous dis merci et à bientôt pour une autre capsule d'information.